C'est un château du XVIIe siècle sous le nom de Château des Singes. Ou Château de la Folie, on l'appelle, enfin, il a deux noms. Il a deux noms. Du coup, là, on n'a pas encore exploré. Par contre, on voit qu'il a été pas mal abîmé. La toiture sur la gauche est complètement arrachée. Ils ont mis une bâche par-dessus pour l'humidité, etc. Et du coup, pour revenir un peu à l'histoire du lieu, c'est un château du XVIIe siècle. Il y a eu de nombreux propriétaires jusqu'en 2012. Et à partir de là, en 2012, il n'y a eu plus personne et il a été laissé à l'abandon. C'est ça, donc il n'y a pas vraiment d'histoire particulière, il n'y a pas de meurtre, enfin de choses comme ça vraiment à raconter. Il y a juste, enfin, c'est un château tout simple. Tout simple, qui a été laissé à l'abandon. Du coup, on va visiter tout ça et on vous montre tout ça en images. A tout de suite. Déjà d'entrée avec un magnifique escalier, il est vraiment connu aussi pour son escalier, celui-ci. Il est vraiment super beau. On va, je pense, commencer avec une première pièce. Qui est super grande. On a un ancien document là. C'est super beau. Bon, malheureusement, il est vraiment beaucoup dégradé. Je sais pas trop ce qu'il y a derrière les portes. Je vais faire ma curieuse. Ouais, bon, il n'y a pas grand chose. Hein. Hop. Donc là, c'était peut-être une salle. Un salon, peut-être. Ça amène un peu à rien par là. On va vérifier après. C'est vraiment super beau. Je sais pas si on va le voir dans la vidéo, mais on a eu un petit invité tout à l'heure. Un petit chat. Il se promène, je pense qu'il connaît bien les lieux. Ah non, oui, non, ça doit être la pièce principale, je pense. Il devait y avoir sans doute une cheminée par ici. Par contre, ouais. Au niveau du toit, c'est pas très... Au niveau du toit, c'est pas top, hein.
Non, c'est un ancien matelas, je pense, ça. C'était fait en paille. C'est rigolo. On va continuer avec une autre pièce. Ouais, il est vraiment cassé. Ah non, bon, je rectifie, peut-être que ça c'est vraiment la pièce principale. À chaque pièce, je vais dire ça. Avec de super beaux miroirs. Un peu comme le château des anges. Ça fait un peu le même style. C'est malheureux, il devait y avoir des beaux miroirs, mais bon, tout est cassé. Regardez même en haut, comme c'est joli. C'est magnifique. D'accord, ça rejoint la pièce. Hop, du coup, oui. Ça rejoint la pièce. C'est quoi ton ressenti pour le moment? Franchement, il est beaucoup cassé, quoi. Enfin, il est beaucoup endommagé. Mais ça reste un beau château. Il est vraiment super beau. Des belles pièces avec des belles gravures. Non, franchement, il est pas mal. Il est vraiment super chouette. On va peut-être passer de ce côté-là, j'ai vu. C'est la partie où il y a la vache, ici. Ouais. Je vais juste rentrer un tout petit peu. Hop. Voilà. Ça goûte. Il y a plus de ce côté-là, je sais pas. Il y en a plus que la journée. Par contre, ça sent vachement moisi, hein. Waouh! On va faire demi-tour. De ce côté-là, on ne va pas rentrer. Par là, je ne crois pas que ce soit vraiment accessible. Le dernier 8-5, le 8. Ah ouais, c'est chouette ça. 18. Ouais, c'est un lieu super connu quand même. Donc on va essayer de monter à l'étage, parce que là, du coup on a fait vite le tour. On va voir, par contre je pense que de ce côté-là, l'étage, ça va pas du tout être possible. Ouais. Bon. On va à l'étage et puis on voit comment c'est. Donc on va monter tranquille à l'étage. Je crois que ça va être un peu compliqué pour visiter l'étage. Oui. Même de l'autre côté, regarde le plancher. Ça va pas être possible.
Attends, je vais regarder. Oh, oui, oui. Voilà, je crois que ça va être compliqué, regardez. Par contre, il y a des trous partout. Et même là, je sais pas si on va voir. Dans la chambre, tout est pété. Oh merde. Là aussi. Oh non, c'est dommage. Oh, je suis dégoûtée. Putain, on n'a pas de chance à chaque fois avec nos lieux. Bon, déjà, on a eu la chance de pouvoir visiter un petit peu le bas. Est-ce que tu penses qu'on peut monter à l'étage? Oula, la rambarde. C'est bien cassé aussi. Hein. Ouais. Après, encore un autre étage, quoi. Ouais. C'est complètement défoncé, là. Allez, je marche sur des lattes. Je vais redescendre. Ouais. Peut-être essayer d'aller voir là. Sur le côté, si on peut marcher par ici. Ouais, même essayer de y aller. Dis-moi. Au niveau du plancher, on n'est pas vraiment sûr. C'est comment? Oula. Fais attention au trou derrière toi. Je peux marcher là, ça va. Wow. C'est magnifique. On a encore un ancien lit. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient pour dormir. Une petite une ancienne machine à écrire, quoi. C'est super. Non, c'est chaud. Donc, du coup, là, on va repartir de cette pièce. Par contre, c'est quoi ça? Cet étage de sang? Je vais vérifier, mais. C'est marron, oui, c'est bizarre. C'est du sang. Je sais pas, quand c'est mon cadeau, vite fait ici. J'en ai besoin. Si tu veux, vas-y. Attends, il est dans mon sac. Ah, oh, vraiment, je veux. C'est bizarre. Ouais, pourquoi? Du coup, on va essayer de faire une séance de K2. Parce qu'en fait, tu es sur le point de partir et en me retournant vers Kevin, regardez ce qu'on voit. Alors, peut-être que c'est moi qui hallucine, mais. Bonjour. Pour moi, ça paraît du son. On voudrait savoir si quelqu'un est avec nous dans ce lieu. Est-ce que vous pouvez vous approcher de nous, de notre appareil que j'ai dans la main?
sommes là pour visiter le lieu. Si une entité ou une personne avec nous veuillez vous approcher, on est dans une chambre. C'est peut-être moi qui hallucine. Mais pour moi, ça ressemble à du sang. Et en fait, il y en a partout sur le mur. C'est du monde d'être avec nous. N'ayez pas peur. Approchez-vous. Mais je crois qu'il y a du sang dans le lit en fait. Là, ici. C'est dommage que j'ai pas des gants, sinon on aurait regardé. Il y a des gants en fait. Il y a des gants. Je vais regarder avec les gants. Dans ton sac ou dans le lit? Juste un seul. Pour voir. Ouais, je sais pas trop. Du coup, là, on vient de terminer la dernière pièce. Pour moi, je pense que c'est la dernière pièce à visiter. Il y a... En partant, en fait, de la pièce, j'ai tout simplement vu, enfin, en disant quelque chose à Kevin, comme on voit là, je sais pas si on voit avec ta caméra, mais il y a plein de taches qui ressemblent à du sang, enfin, pour moi, parce que c'est un peu rouge-marron. J'ai regardé dans le lit. Mais bon. Je trouve ça un peu bizarre, je pensais pas voir ça dans un lieu comme ça, peut-être plus dans un, je sais pas, vieux hypnosière ou quelque chose comme ça, mais pas dans un lieu comme ça. C'est un peu étrange, alors peut-être que c'est moi qui... Peut-être que c'est la rouille, non? Ouais, ça peut être aussi la peinture ou je sais pas. Peut-être la rouille en haut, parce qu'il y a une espèce de petit câble. Je pensais vraiment pas qu'on allait voir un truc comme ça, alors peut-être que c'est moi qui hallucine, mais moi, c'est pas moi, ça ressemble un peu à du sang. Mais bon, c'est bizarre que ça soit projeté comme ça, bon, il y en a un peu dans le lit aussi. Je sais pas. Vraiment, là, sur le coup, je comprends pas trop. Du coup, là, je pense qu'on va partir. On va essayer de faire des plans, ouais, de la maison, parce que du coup, ça aurait été un urbex assez court. Je me suis encore calé dans les mains, je reviens toujours voir s'il interagit ou pas. Je suis vraiment dégoûtée. C'est la troisième fois, là, je crois, sur les lieux qu'on peut pas accéder à d'autres pièces, mais bon, au moins on a eu la chance de pouvoir visiter. Hop. Fais attention. Bonjour à tous. Alors du coup, on vient de finir tout juste l'exploration de ce fameux château. Franchement, c'était un beau lieu, il était vraiment immense. Par contre, il est un peu délabré, cassé. Il est vraiment beaucoup dégradé. Voilà, moi, je suis déçue parce que c'est la troisième fois qu'on visite un lieu, troisième fois où il y a certaines pièces où on ne peut pas accéder. Là, c'est vraiment complètement les deux côtés. Les deux côtés. En fait. Même le dernier étage, on n'a même pas pu y accéder. Enfin, je sais pas si tu as filmé. Ouais, j'ai filmé. Vous allez voir, de toute façon, il y a vraiment plus de latte au dernier étage. Tout le parterre est tout abîmé. On n'a pas pu trop filmer. Un petit peu dégoûté parce qu'en fait, du coup, on a juste les plans du bar en fait, à part une pièce qu'on a réussi à visiter en haut. Oh ouais. Du coup, j'espère qu'on aura assez de contenu à vous présenter. Ce sera peut-être une plus petite.
petites vidéos que d'habitude. On a essayé de faire le maximum de plans, même les plans en drone, on a essayé de faire le maximum. Puis c'était un peu compliqué parce qu'il y a des voisins vraiment juste à côté. Il y a une ferme juste à côté, du coup le drone il fait assez de bruit, du coup on a vraiment fait vite fait quoi. J'espère que les images sont bonnes. Ouais. Et du coup j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, partager, vraiment, ça nous soutient vraiment beaucoup. Ça nous fait super plaisir. Du coup on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.